les amis. Encore on fait des vidéos parce qu'on fait des vidéos de jour, par semaine. Et maintenant, elle va te raconter le Naval, comment il est. Make sure to like, subscribe and turn on the notification. Et quand tu ne sais pas écouter une nouvelle, nous on s'appelle Julia et elle s'appelle Julia. Ok, on va commencer. Le narval, mais il n'y a pas de... Voilà, qu'est-ce que tu vois ici? Ça, c'est son grand corps. Comme un tableau. Qu'est-ce que tu vois ici? J'attendais pour voir très bien. Voilà, ici. Il a une grande cornice. Ok, d'accord. On va commencer. Elle va lire comme ça parce que... Narval. On peut voir narval. Ça, des matériels. Le narval, bien sûr. Et réputation en habitant, squelette, défense, aliments, petits prédateurs, sous la glace, une plongeur en eau profonde. Tu peux lire quand tu comprends pas. Elle va toujours te laisser regarder. Voilà. Le narval est une espèce de baleine de taille moyenne. Il vit dans l'océan Arctique. Il peut penser entre 750 et 16 000 kg en atteindre une longueur de 5,5 mètres. Comme tous les baleines, le narval est un mammifère. Cela signifie qu'il a besoin d'air pour se respirer. Le narval a une semelle dans la tête comme un appel évent que lui permet de respirer. Et là, tu peux voir ici le tête de narval et il y a un grand corps. Le narval mâle ne ressemble pas aux baleines. Il a une défense qui s'appelle une longue corne, le narval. Il est généralement de couleur noire avec des taches blanches et coloration plus claire sur le ventre. Après nous de montage sur le narval. Ouh, c'est comme noir. Aussi, ça c'est comme une squelette. Je sais pas pourquoi. Réputation en habitant. Le narval habite en groupe dans l'Arctique, l'océan. Toute l'année, il contraire de plusieurs autres l'espèce de baleine. Il reste dans cette recoin en hiver. Le narval est de place habituellement en groupe de vorons. 10 à 20 individuellement en hiver. Il vit dans l'eau très profonde, recouvert en glace au printemps. Le narval commence à approcher sur le côté et pendant l'été, il vit dans les eaux profondes à proximité des fermes. Alors, tu peux voir un bouchon narval. Beaucoup. Ça, c'est son aliment. Et les... Ouais, c'est son aliment. Mais ce que tu sais pas, c'est quoi son aliment, elle va montrer toi dans l'image. Comment dans le c'est quoi plus intéressant? Et c'est quoi ton premier aliment? Ouais. Moi, c'est le panda. Le dernier, elle va dire c'est quoi les choses intéressantes. Le narval est actif surtout dans l'été durant cette saison. Il se déplace parfois en groupe comptant certains de narvals. Les narvals ont tendance à rassembler en grand nombre dans certaines zones de l'Arctique.
Ils sont nombreux à vivre près de la partie de nord, ouest de l'île de Baffin. Je peux dire, moi je fais l'exemple, je bouge mes mains pour faire l'exemple quand tu sais pas. Et ça, selon les pages ici, mais ouais, là ça connecte. Mais après, c'est juste de montrer. Et ça, c'est comme des groupes. Ouais. Eux vivent en groupe. Une groupe de narval vue de haut. Alors, on la vue de haut. Squelette. C'est plus mignon pour faire des séances avec ça. Yeah. Ok, on va te montrer. Ici, c'est clone vertical. Et ça, c'est son côté, mais comme notre côté. Ça, c'est un crâne, défense. Il a des défenses sur c'est le nez. C'est très, très. Il a une défense sur le nez. C'est comme un corps. Nageur avant. Regarde, c'est quoi? C'est comme des séances. Les os de narval en avant du narval ressemblent beaucoup à ceux du main. Le narval main, le narval main, il est comme un humain parce qu'il a 2, 4, 5. Il a 5 mains. C'est comme 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça, c'est son défense. Oh. Son défense, il est sur son nez. Là. C'est très, très grand. La défense du narval mâle est en fait une très grosse dent. Il que sort de sa bouche, centre de son devant énorme. Elle peut atteindre de longueur de 3 mètres la plus tard. Des narvals mâles sont de seuls de défense. Le narval a parfois de défense, mais c'est très rare. Ah, ça dit personne il a et c'est comme peut-être un bon. Personne il a, mais peut-être deux personnes peuvent l'avoir. Ouais. Rouge yeux comme ça. Ouais. La défense est une dent, mais le narval ne s'en sert pas pour se nourrir. Certains pensent que la dent défense du narval lui permet d'en restituer un changement du lot autour de lui. Les scientifiques ont dit toujours le narval en compagnie de nez dans la carapace de fer. Alors ici, c'est comme le corps. Un petit peu partout. Rester sans défense. Je vais vous dire le truc intéressant maintenant. Comme il mesure de 7,5 et 16 000 kg et 5,5 mètres. Mais ça, c'est que j'ai trouvé dans les livres que c'est intéressant. Tableau, c'est quoi ton plus intéressant? Nous, on a tout lu pour toi pour voir c'est quoi ton intéressant. On aime beaucoup lire et prendre des vidéos. Pourquoi on lit des livres comme ça? Ouais, on lit comme des livres. La mission, c'est bon. Je vais vous montrer du début au ici. Alors, ici, on peut faire des salles encore. Ici, c'est. Grosse plante du calamar. Calamar, c'est comme eux qui a beaucoup de pieds ou de mains. Il est comme. Il a un très grand tête. Ouais. Et en anglais, on l'appelle squid. Squid. Le narval nourrit pincement de mort polaire et de flétin. C'est ce que j'ai en train de dire pour ma présentation. Et parfois de calmar et de crevettes. Les narvals n'ont que des dents éculantes. La défense, il nage vers ses proies et expire de la bouche. Ouais.
faire le match. Ok, bye bye. À venir demain.